Yop les amis, je viens de télécharger Pokémon Go qui est sorti cette semaine. J'ai testé un petit peu, j'ai capturé un Salamèche tranquille, hein, c'est le Pokémon de départ. Il y avait un Rockool près de chez moi. Le jeu est pas comme on nous l'avait annoncé. Mais je vais tenter, je vais me déplacer dans la rue. Je vais jouer le jeu. Et je vais voir comment ça se passe. J'ai vu un Smogo sur la route. Et en gros avec ton téléphone tu dois le mettre vers le haut et tout. Parce que Smogo il est dans le ciel. Et plein de monde autour, je me suis tapé la honte. Oh my god! Premier Pokémon! Oh. Attends, on n'a pas une casquette? Non, on n'a pas une casquette! Une casquette à la une fondant! Une casquette! Là, je pense qu'on n'a pas de casquette, Odile. On trouvera une casquette. Il n'y a pas quelqu'un qui a une casquette? Une casquette? J'ai un Pokémon à attraper, il faut que je retourne ma casquette. Pas de casquette. Oh putain! Oh, tu l'as eu du premier coup? Parce que je suis un dresseur. T'as pris qui, Bulle Bizarre? Oh non, j'aurais pu choisir entre les trois? Bah oui! Non, dégage! Il est Salamèche! Jules qui capture un Miaouss, mais le Miaouss est sur les gens. J'arrive pas! Et du coup. C'est bon? Non, putain, j'arrive pas! Il te regarde, les gens. C'est super complexe. C'est ultra gênant, faut que tu la lances haut. Haut? Ouais, tu la lances haut là, Pokéball. Tu vois? Ah, je l'ai eu! Ouais. Nice! Et en plus, oh, du premier coup! Enfin, du premier coup. Excellent! Genre, en fait, les Pokémon ne se retirent pas de la Pokéball en fait. Non, je sais pas, j'avais pas encore eu de Pokémon qui s'enfuit. Avec Thomas, on va parcourir les rues de Paris pour aller chercher le Pokémon légendaire. Si on tombe sur Mewtwo, les gars. Ouais, si on tombe sur Mewtwo, on sait pas du tout comment l'avoir, mais t'as les clés? Ouais. Ok, on va essayer de choper un maximum de Pokémon et pour ça, on a sorti le casque et on y va en scooter. Et bien sûr, c'est diffusé en live sur la LPE que je mettrai le lien juste ici puisqu'elle sera en rediffusion quand vous verrez cette séquence. Du coup, voilà, c'est parti. Je vais m'arracher la gueule avec ce casque qui est trop petit. Je vois si je peux faire. Non, il est au max. C'est juste un tout petit peu. Hein. Ouais, il est au max. Du coup, c'est bon, je reste comme ça tranquille. Ouais. Bon, c'est parti, les amis. On met les petites lunettes de sécurité. Et let's go. C'est trop bien, en vrai. Mec, je suis tranquille, moi. Par contre, c'est un peu mouillé sur mes jambes. Ouais, je pense que c'est de l'eau qui tombe. Du coup, là, on va à Montparnasse ? On va à Montparnasse, ouais. Ok, objectif Montparnasse et puis la grande roue. Et après, je sais pas ce qui nous a réservé l'ami Thomas. Non, la grande roue, c'est le final. Ah, le feu rouge. Ah, le feu rouge. Ah, tant pis, le feu rouge. Allez, hop. Moi, je vais vite laisser ma veste en fait. On va se foutre au soleil là-bas. Voilà, on est direction Montparnasse. Vous pouvez le voir juste ici. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut choper. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Alors, il y a des Pokémon ici. Mec, je sais pas, il y a une putain d'arène Pokémon. Oh là là! Un bon attends, mais de... attends, là, rentre pas dedans. On va voir. Mais il faut que je sois level 5 pour y aller. Ah merde, et t'es là, t'es. Je suis level 3, bientôt 4. Regardez. Il y a une arène de ouf. Avec un roucarnage, je suis sûr que le mien est meilleur en plus. Hein. Il n'y a pas grand chose autour. Hein. Ah, il y a un Magikarp, MDR. Il va rester tout le temps ou il va disparaître? Je pense qu'il va disparaître. Ah, il faut que j'avance vers lui, je suis trop loin. Ah, il a disparu, le reculé. Vas-y. Ah, non, ah, attendez. Assis-toi, Jill. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, on est une alerte Pokémon. Est-ce que vous nous retrouvez, les amis? Exact. Alors, donc là, on est en direct, salut en mission. Les amis, hein. on est devant une grande. Voilà, on va vous montrer, on va vous montrer tout de suite où est-ce qu'on est. Waouh. Voilà. Wow. Non. Voilà, on est là. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi Montparnasse? Bon, on était là tranquille et nous avons directement un. Oh, qu'est-ce que nous avons là? Oh, un ratata, mon ami. Ouais. Un ratata sauvage. Super. Devant nous, juste là, quand on. Attends, on va se mettre au soleil. Il faut savoir qu'on voit pas. Il faut savoir. Ok. On va se mettre au soleil. Attends, mais il est là en fait. Je peux pas le mettre au soleil. Ah merde, merde. Je peux pas le déplacer. Il est là, l'ami. Il faut savoir que depuis 15 minutes, on est ici, on a vu zéro Pokémon. Du coup, c'est vraiment de la luck qu'on a. Et puis, on va commencer cette petite session avec un ratata qui n'a rien à foutre de ma Pokéball. Ah, et voilà. Bon, première prise à Montparnasse. On s'était dirigé ici, puisque voilà, hein, c'est un endroit bien stratégique. Et puis, justement, sous nos yeux, il y a une arène Pokémon. Tu peux la montrer. Elle est là, l'arène Pokémon. Ça dit que si on se mettait à côté de l'arène, on pourrait choper du gros poisson. Là, je t'invite à avancer. On va marcher un petit peu. Il est très fort. Regardez, on peut voir est-ce que tu peux nous montrer le jeu un petit peu?
Ouais. Là, je sais pas ouais, si vous voyez. Ouais, on voit bien, là, on voit bien. Pokémon, une arène Pokémon avec un rat attaque. Ah, c'est pas il est attaquable level 5, je suis que level 4, du coup, je peux pas encore lui mettre une petite pâtée. On peut pas rentrer dans l'arène Pokémon pour l'instant. Peut-être, on va essayer de up level 5 avant cette. Bah, nous, de toute façon, on se balade, quoi. On est là pour se balader. Paris, on se balade. Et du coup, si on est level 5, on essaiera de mettre une petite rousse à un collègue pour récupérer une arène. Je t'invite à nous déplacer. On va marcher un petit peu, comme ça. Et puis, si j'étais, il fait beau à Paris, c'est cool. Voilà. Là, on va continuer à. Alors, il faut savoir que Pokémon Go, en vrai, c'est un très bon jeu. Je sais pas si on en sera bien avec le vent. Ouais, parce qu'il y a masse vent. C'est un très bon jeu. On l'a vu, on se tape la honte. Hein. Les gens se demandent ce que je fais. Voilà. On entend rien du tout. Toujours rien, aucune. Donc, on va quitter là. La fabuleuse tour Montparnasse. Vous allez où ? Voilà. Donc là, bah, on se déplace. On va voir un peu ce qu'on peut trouver. Parle plus proche de la cam. Est-ce qu'il y a des Pokémon ? Est-ce que t'as pas un autre endroit stratégique, mon ami ? Moi, j'ai plein d'endroits stratégiques où on peut aller pour trouver des Pokémon. Oui. Donc si là, dans les 30 secondes, la minute à venir, on n'a toujours rien trouvé, je pense qu'on va se déplacer. Là, on est d'accord. Je ne sais pas si vous voyez toujours, mais il n'y a rien aux alentours. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Si, il y a un double. Il y a un double Magikarp juste là. C'est la première fois deux Pokémon. Je ne sais pas si tu le vois. Double Magikarp. Hop, j'ai cliqué dessus. Et j'ai cliqué sur l'arène, en fait. Oh, merci pour le don de 50 boulets. C'est énorme. Et... le double Magikarp, regardez. Merci à toi, merci beaucoup. Passe. Oh, il y a un Magikarp. Et c'est attrapé. Excellent. Bon, j'ai mis la luminosité à fond, mec. Je trouvais que j'étais pas trop bien. Voilà. On l'a eu, bravo. Voilà. Ça donne de l'XP. De toute façon, il faut attraper un maximum de Pokémon. Il y en a un deuxième, hein. Je vais essayer de choper. C'est 100 XP Pokémon. On avance un peu ou non? C'est bon, il est là. Attends, ah putain, il est sur l'arène. On va avancer un peu parce que là il est difficile à attraper. Il est vraiment genre sur le point de l'arène. Et du coup c'est pas évident parce que quand je clique dessus pour. Parce que quand on a un Pokémon, il faut cliquer dessus pour essayer de le choper. Et là vu qu'il y a l'arène juste au même endroit, ça m'ouvre l'arène en fait. Du coup je vais essayer d'avancer. C'est formidable. Voilà sur la map. Là on doit bien voir. Il est juste là le Magikarp. Je vais essayer de cliquer dessus. Et non regardez, ça m'ouvre l'arène, c'est chiant. C'est chiant parce que regarde, je peux pas cliquer dessus en fait. À chaque fois, il est sur un endroit. Il est bien caché le fourbe. Hein. Bon, en même temps, tu viens d'en attraper un Magikarp. Ouais, non, mais c'est pour l'XP. Bon, tant pis. C'est pour l'XP. Je vais devoir passer à côté puisqu'il est un petit peu buggé. Pas grave. Peut-être que sur la route, imagine au milieu du passage piéton, je rencontre un Pikachu. Ouais, voilà. On s'arrête. Voilà, oui, mais on s'arrête pour Pikachu. Normal, ça vaut le coup. On s'en bat les couilles. C'est formidable ce qui se passe. On s'en bat les couilles. Il a insulté ma carte. Je ne regarde plus le monde. Je regarde la carte Pokémon. Que le monde c'est quoi? Le monde c'est rien. Pokémon c'est quoi? Pokémon c'est tout. C'est tout. Et du coup, alors, on va quand même attendre. Hein, le petit ouais, on va attendre le feu rouge. Que voilà, nous sommes dans live. J'essaie de recliquer sur Magikarp, mais j'arrive pas à le faire. On vous montre un peu où est-ce qu'on est. Thomas, est-ce que tu m'entends? On n'entend rien, on n'entend pas le plateau parce qu'on n'a pas pris les écouteurs. On les branchera à notre prochaine arrêt. Vas-y, on peut y aller, mon petit Valouz. Du coup, je peux pas te parler, voilà. C'est un peu chiant. Si, là, je t'ai entendu. Ouais, on a trouvé un Magikarp en plein milieu du passage piéton. Oh, et voilà, le Magikarp, le bonhomme est toujours vert. Ça passe sur plein, mec. Vous montre, hein. Mec, attends, c'est bon, c'est passé. C'est passé, c'est bon, on peut finir de traverser. C'est terrible. Vas-y, on court un peu quand même. Si on s'arrêtait au feu rouge en mode. Voilà, alors. Ok, Thomas, vous allez où là? Donc là, ce qui va se passer, les amis, pas. C'est que bah on a un peu liquidé la zone au niveau des Pokémon. Okay. Donc là, j'ai capturé du Magikarp, du triple Magikarp. Voilà. Comme on s'est dit que se balader à pied c'était trop pénible pour nous, et ben on a sorti. C'est chiant en marché. On a sorti le scooter et on va tout de suite se déplacer. Je vous laisse la surprise de là où on va. On va rester en live avec vous. Et on va rendre l'antenne sur le oui, plateau qui va meubler pendant le trajet. Et nous, bah, on part tout de suite pour notre. Je vais essayer de choper des Pokémon. Voilà. Ok. Attends. Il est où le scooter là? Le scooter, il est là. Il est là. On peut vous voir démarrer là. Pas. Il est là. Là, on s'en va là. Vas-y. Là, on monte dessus. Valouz et vas-y, barrez-vous. Ouais, je laisse la cam à Valouz. Tiens, Valouz. Formidable. En haut, la petite flèche qui se retourne. Hop. Mais je suis un débutant en téléphone, en téléphonie.
Salut tout le monde, je suis en présence de... Bah, de moi-même, hein. Et j'active mes lunettes. Waouh, c'est le swag de l'infini, c'est limite gênant, hein, mais vu qu'on est sur Malaise TV, je porte bien. Allez, le démarrage. Attends, je manœuvre d'abord. Ok, petite manœuvre de la part de Thomas, qu'on peut admirer juste là. Ah, il faut savoir que... Attends, j'arrive pas à monter. Génial. Il faut savoir que tout le monde nous regarde, c'est vraiment... Alors, donc je vous en parle pas quand je suis en train de capturer un Pokémon dans la rue. Les gens me prennent pour un cinglé. Non, monte-nous la route. On va essayer de changer de caméra. Attends, il va le faire, je crois. On vous laisse tranquille, les amis. Revenez sur nous quand on est dans notre nouvelle destination. Je sais pas si on m'entend avec le vent, j'essaie de gueuler un petit peu. On t'entend très bien. Max, c'est trop beau. Lui, il entend pas avec le casque. On entend parfaitement. Ah, tu m'entends parfaitement, j'ai même pas besoin de gueuler. Ok. Et franchement, c'est pas un stream du futur, ça. Est-ce qu'il y a des Pokémon autour? Et ça bug pas? Non, c'est parfait, mec, c'est parfait. Putain, excellent. 120 FPS, mec. Alors, je suis avec un guide en plus, voilà, hein, c'est ça, c'est excellent. À chaque tour, il faudrait que tu checkes pour voir s'il n'y a pas des Pokémon autour. Ok, Ah oui, mec. Oui. Est-ce que tu peux demander aux passants s'ils ont vu des Pokémon? Ok. Madame, vous avez vu un Pokémon? Apparemment, elle a pas vu de Pokémon. Dans la voiture, là. Monsieur, vous avez vu des Pokémon? C'est un dieu. Excellent. Il nous a répondu, il y en a plus deux, apparemment. Deux Magikarp aussi, les uns sur les autres. Alors là, il va falloir qu'on accélère, puisque la police est à nos trousses. Non, c'est un centre. C'est pas la police, c'est un centre Pokémon. C'est la Team Rocket, hein, la Team Rocket qui est à notre recherche pour capturer notre Pikachu. Tu nous amènes où, mon ami? C'est incroyable. Bon, je sais pas, tu peux le dire. On va à Notre-Dame. On va à Notre-Dame. Donc moi je sais pas c'est quoi, hein. On m'a dit que c'était une église. On vous retrouve à Notre-Dame, les gars. Cette fois-ci direction Notre-Dame. Notre-Dame, on va essayer de choper de nouveaux Pokémon. Pour le moment, ça a été bon, hein. C'était prolifique, on a capturé un Rattata et deux Magikarp. On est bientôt level 5. Je sais pas du tout si on m'entend, on fuse. On va à 200 km/h dans les rues de Paris. On devrait bientôt arriver à Notre-Dame. Hein. Bien, nous sommes arrivés. Alors, on va se garer là. C'est gratuit ? Ouais, c'est gratuit. Nous y sommes. Hey, je suis Pokémon. J'arrive pas à enlever mon truc. Ah. Alors. C'est bon, je vais appeler Amaury. Écoute, la photo tracée. Ah, oula, oh, oula, 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 oula. Pokémon, je vais s'appeler. Oui, j'appelle. Alors, on va les appeler, on va voir un petit peu ceux qui se cachent autour de Notre-Dame, puisqu'a priori, nous sommes à Notre-Dame. On va regarder ça tout de suite. Alors, messieurs, de retour. Salut. Salut. Dans notre exploration de Paris à la recherche des Pokémon. Donc là, nous sommes dans un nouvel endroit très célèbre. Waouh. Attends, on va retourner la caméra. Voilà, nous sommes à Notre-Dame. Le temple de Quasimodo. Voilà. Pour la première fois, on peut apercevoir de l'eau sur la map. C'est juste un trait bleu, en fait, hein, voilà. C'est de l'eau. Et là-bas, j'ai vu qu'il y avait un Pokéstop où on peut récupérer peut-être des petites Pokéballs ou autres. J'ai vu encore une arène sur le Notre-Dame. Ça doit être l'arène du pape. L'arène des gargouilles. Ça se voit que des gens jouent, puisque toutes les arènes sont prises. Vraiment. D'accord, toutes donc les là, il y a des gens autour de nous qui sont en train de jouer. Apparemment, il y a des gens, ils sont dans le même état que nous. Hein. Ils sont là avec leur téléphone en train de scruter discrètement, même si, à mon avis, regardez, le papy là-bas, on peut l'apercevoir. Il a sorti son téléphone. pour capturer. Ah, il a une casquette, attends, à droite, il a une casquette. Demande-moi s'il joue. Alors. Tu me transmets les messages, hein, Thomas. Ouais, je transmets dès que j'entends Max. Ah bah, tu m'entends pas du tout, manifestement. Il y a du monde, c'est assez bruyant autour de nous. On construit ensemble, ou comment ça se passe? Parle-lui voilà. Dans la cave au gourde. Oui. On va aller choper. À mon avis, je pense que c'est la statue là. La statue juste ici. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Ouais, là on t'entend bien, Max. Ah ouais, tu m'étonnes. Ok, très bien. J'ai pris directement le micro dans la bouche, donc vous avez un gros plan de mon nez. Attends. Qu'allais-je te dire? Un monsieur qui a une casquette. Tous ceux qui ont des casquettes. Ouais, est-ce que tu peux demander aux gens qui ont des casquettes autour de toi s'ils ont vu des Pokémon? C'est important. Ah ouais, faut qu'on demande aux gens qui ont des casquettes s'ils ont des Pokémon, mec. Et là, attends, on a une envolée de Roucool. Non, attends, il y a un Rattata juste en face, là, attends. Voilà, les bons Roucool, hein.
On les voit, les bons poules. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. C'est trop marrant. Non, tu les as fait s'envoler. Merde. Il y avait mon ratata qui se faisait attaquer par des roucoules. Merde, voilà, hop, on capture un petit ratata. Ah, on voit mal avec. C'est dans la poche. Avec le soleil, on voit rien, les gars. Avec le soleil, on voit rien, il nous dit. Mince, mince, mince. Bon, c'est on va aller se mettre à l'ombre. Ouais. Et 45 degrés. Est-ce que vous pouvez rentrer dans Notre-Dame ou pas? Je sais pas si c'est ouvert, on verra si parce on peut essayer. Parce qu'il y a Mewtwo dans Notre-Dame, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être, eh, il y a peut-être des Pokémon dans Notre-Dame. Il y a peut-être des Pokémon dans Notre-Dame, faut voir s'il y a la place. Soleil, il y a un Pokéstop qu'on peut récupérer. Alors, tu vois, c'est la petite statue et à chaque fois, il y a des... c'est des trucs historiques. Hein. Ouais. Là, c'est la statue équestre de Charlemagne. Je viens de découvrir quelque chose. Ah, vas-y, on la montre un petit peu. Alors, la statue équestre de Charlemagne. Culturel. Et puis, on a juste à faire tourner comme une pièce. Et qu'est-ce qu'on récolte? 3 Pokéballs. Donc, c'est de la merde, hein, clairement. On va aller juste en face. Ça veut dire que là, tu te balades et quand t'as un monument culturel. Je t'en parlerai après, Max. Tu t'appuies dessus, ça donne des bonus. Bon, ouais. Eva nous explique. Là, on a le pont double. On a le pont double qui ressemble à ça. Qui est là-bas. Ça doit être, ouais, ça doit être là-bas. Là. On peut déjà l'ouvrir puisqu'on est assez proche. Pareil, je vais faire tourner, on va voir ce qu'on a. On a eu pareil, 3 Pokéballs. Je pense qu'on peut avoir des objets rares, alors, je sais pas encore lesquels sont. Et on peut avoir aussi des œufs qu'on fait du coup éclore. Est-ce que t'as fait éclore le tien du coup marchant, tout simplement. Moi, ouais. Je vais regarder dans mon Pokédex parce qu'il me semble que j'avais un œuf. Ouais, est-ce que tu l'as, est-ce qu'il a éclos? Parce que là, t'as fait... Est-ce qu'il a éclos ton œuf? Alors, mon œuf, il a marché. J'ai marché 1,2 km pour le moment sur 2 km. Du coup, il faut qu'on fasse de la marche, hein, mon ami. Ouais, il faut qu'on marche un petit peu. Pour le faire éclore et pour. Faire pourquoi pas une grande première sur le YouTube et ah le mais alors, attends. Allez, les gars, allez dans Notre-Dame. Ça veut dire que... Moi je propose qu'en attendant de trouver un autre Pokémon, peut-être on demande à des amis, peut-être que ceux qui ont des casquettes, qui sont d'autres dresseurs Pokémon, s'ils ont trouvé par exemple la dame là-bas avec sa veste marron, peut-être qu'elle dresse des Pokémon. Okay. Je ne sais pas, on peut lui demander ça. Tu imagines, elle ne parle pas français. Donc là c'est parti, on est là pour vous. Hein, genre, on est là pour ça. Excusez-moi. Oh non. Il y a une meuf mariée qui est en train d'attraper des roucoules. Chercher des Pokémon ici. Pas du tout. Vous êtes simplement là pour éduquer des roucoules. Ah, voilà. C'est bien, c'est une bonne chose déjà. Il n'est pas là pour capturer des Pokémon, mais pour éduquer des roucoules. Ouais, moi, j'ai pas rien à foutre. Ok, apparemment, il n'a pas rien à foutre de sa vie. Excusez-moi. Désolé. Je me suis fait clasher. Oui. Ils sont fait chier. Alors, on était en train de gêner une photo de mariage de gens de type. Les gars, on se fait emballer par un petit guidon et par des touristes japonais qui se prennent en photo pour leur mariage. Voilà. Donc là, c'est vraiment la sauvé par le gong. Tu vois. Je pense qu'on peut essayer de rentrer dans Notre-Dame. Il y a la queue pour rentrer. On va voir. On va aller voir. Rentrer à deux ou pas? Bah oui, on pourra rentrer à deux. Il y a pas de souci. Attends, pour l'instant, il y a la queue devant. On va voir. Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'on peut y aller? En même temps, normalement, c'est le silence et on ne doit pas rentrer avec les téléphones. Eh bah, gueulez pas. En tout cas, donc c'est peut-être. On peut peut-être essayer de faire un truc un peu en sneaky. Il y a peut-être un bulle bizarre à l'entrée. Il y a peut-être des gens bizarres à l'entrée. Oh. On va voir ce qu'on peut faire. Ah non, il y a des bijoux à l'entrée. Un truc comme ça. Nos téléphones. Pas quelque chose comme ça. Nos téléphones et il y a. On va lui demander pour voir si on peut. Pour voir s'il y a des Pokémon à l'intérieur. Vas-y, viens, on lui demande si on peut rentrer pour voir s'il y a des Pokémon à l'intérieur. Vas-y. Demander l'autorisation d'avoir. Oui, demander l'autorisation d'avoir les téléphones. On va pas rigoler. Oh non. Oh merde. Attends. On doit laisser les téléphones pour rentrer? Non, vous utilisez vos téléphones. On peut utiliser nos téléphones à l'intérieur? Oui, ah, c'est bon. Mais vous ne filmez pas, hein. Vous êtes en train de filmer, les gens? Ça t'a été filmé? Non, mais je filme pas, vous n'êtes pas. Ah bon, de toute façon, allez-y, vous pouvez faire les photos. Ok, d'accord. Merci. D'accord, c'est gentil, merci. Je filme pas. Alors, attends, silence. J'ai dit que c'était pour capturer des Pokémon, il y en a vraiment. Ok, alors. Attends, on est à côté d'un truc. Non, il n'y a pas grand chose en fait. Ça va couper là. Ah bah oui, s'il capte pas dedans. Ça a pas capté. Ah. Oh non. C'est la coupure. Ah. Là, c'est juste raté. Donc là, alors Max, je vais couper le son parce qu'il faut pas qu'on fasse de bruit à l'intérieur, ok? Ok. Il y a pas grand chose, hein, hormis des dresseurs Pokémon. Tu m'entends un peu quand même si je suis... À la recherche, hein, on en voit plein. Je pense qu'il a tout coupé. Il a tout coupé. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau bénite. C'est de l'eau bénite. Les Magikarp trempent. C'est de l'eau bénite. Il y a un truc à récolter. Ouais. Juste là. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est la femme fontaine. On va voir ce qu'elle nous donne. Peut-être d'élixir.
Peut-être un peu de Non, il est trop loin apparemment. Ah, il est trop loin. Faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte. Ok, bon bah, on aura fait une petite escapade dans Notre-Dame. Bon les gars. Une petite escapade religieuse. Là, c'est vraiment, vraiment gênant. Hein. Tout le monde nous regarde. Je pense que c'est le moment. Ah, attends. Ah non, il y a la musique. Démarre. Ok. Voilà. Ah, attends. Complètement. Allez, allez, remets le son. Est-ce que tu m'entends? Oh là là, c'est chaud. Sneaky, hein, pour test 1, 2. Film, hein. Alors, ouais, là, ouais, je t'entends, okay. J'ai remis le son. Ouais, je t'entends, Ah, bon, moi, Kenny, là, j'adore beaucoup. Ah. Ma bonne tête. Ouais, t'as coupé la cam, mec. Le ah, voilà, super. Ouais, ouais, c'est bon, c'est revenu. Vous allez où, là? Là, alors, est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on bouge? Il n'y a plus de Pokémon. Il n'y a plus de Pokémon. Voilà, donc on va bouger à notre deuxième point de rendez-vous, les gars. Ok, on se retrouve là-bas, à tout de suite. Tout. On remonte une dernière fois. Hein. Voilà, c'est beau, hein, Notre-Dame. Ok. Voilà, vas-y Max, donne-moi tes informations. Merci beaucoup, Tolo qui lâche 50 boulettes. On se retrouve tout à l'heure, les amis, à tout de suite. Avant-dernière destination avec Maître Tom. On est au Louvre. On saute au-dessus d'une plaque d'eau. On est au Louvre et on va voir ce qu'on va choper. Donc, je ne recorde pas ce que je fais à chaque fois en live. Hein, là, je vous mettrai entre deux séquences le stream, enfin la partie. Du live en question puisque voilà, je peux pas avoir ma caméra plus le portable plus un portable pour jouer dans la main, c'est pas évident. Et là nous avons sous les yeux la pyramide que je découvre pour la première fois, mec. Et c'est franchement beau, hein. C'est beau, hein. Putain, waouh, c'est une vraie pyramide. Voilà, je pensais que c'était plus grand, mais bon, après le musée il est quand même fat, hein. Ouais, voilà. Il est vraiment fat. Et on voit la roue d'ailleurs où on va aller tout à l'heure. Eh oui, on ira à la grande roue pour terminer ce live. Surprise, surprise. C'est la nuit. Je te laisse, on est prêt. C'est parti, ici, on va voir un petit peu où sont nos deux champions qui sont, je crois, partis dans un endroit très connu de France qu'on appelle... Et donc, de retour... Le Louvre. De retour dans notre périple à la recherche des Pokémon. Alors, je crois que pendant ce trajet... Mon petit Val, t'as trouvé des petits trucs? Alors, j'ai trouvé déjà un cheat code. Voilà, je tiens à le dire. Il faut qu'on le dise au monde entier. Un cheat code, les amis. Jouer en voiture. J'ai joué derrière Thomas pendant qu'il était en... J'ai chopé tout ce qu'il y avait sur la route. J'ai presque gagné un level. J'ai capturé 6 Pokémon. C'était totalement plus worse que d'aller au Louvre, hein, par exemple. Mais bon, pour le beau jeu, et comme, on va quand même découvrir cette petite pyramide que tu peux mettre. Il a capturé quoi? On va la mettre tout de suite. Voilà. Ouais. On est là. Viewers, moi je découvre tout, hein. Sur Paris je suis vraiment un débutant, j'avais jamais vu Notre-Dame, le Louvre pareil, voilà, et après tu me réserves apparemment une grande surprise pour ce fin de stream. On fait un petit tour un peu du musée, donc, hein, pour vous rendre compte un peu. Restez sur le film parce qu'à la fin il va se passer quelque chose d'assez spécial. Et qu'est-ce qu'on va percevoir? Bon, on est au soleil, il n'y a pas un petit coin d'ombre. Il n'y a pas un petit coin d'ombre, on peut peut-être essayer mais de le faire. Regardez ce qu'il y a eu sur la route, mon œuf qui va éclore. C'est quoi? On va voir ce que ça fait, je sais pas si vous voyez, donc l'œuf qui éclore. Un pas d'animation, on dirait une animatrice. Et c'est tout, mon rondoudou! J'ai un rondoudou. Un petit rondoudou qui s'ajoute dans ma liste de Pokémon. Mon Pokédex qui commence à se remplir, hein, en vrai. C'est un ça donne les XP. Bientôt, level 5, je pourrais affronter des arènes. Je vais prendre ça. Donc, ça, c'est Paris-Louvre, pavillon riche. Bonus. Je récupère des Pokéballs juste à côté. Le Louvre, par contre, c'est vraiment rentable. Là, c'est la statue of Woman et le musée du Louvre, je pense. Je récupère aussi des petites Pokéballs. Et puis voilà, bientôt level 5. Hein. Il me reste vraiment tout petit peu d'XP. Je pense que 100 XP, ça suffirait. Voilà. Du coup, je t'invite à aller par là-bas. Par là-bas, il y a encore un Pokéstop. On va rentrer, on doit passer un petit check-in de sécurité. On va essayer de rester discret avec la caméra. Tu vas la baisser un petit peu. Demande à Valouz quel Pokémon. Évidemment, dès qu'on croise des gens avec des casquettes, on va essayer de leur demander, hein, évidemment, s'ils chassent des Pokémon. Thomas, demande à Valouz quel Pokémon il a capturé sur la route, là. Voilà, c'est bon, on a passé le check-in. Il faut savoir que le temps est juste merveilleux, il fait extrêmement chaud. Le niveau de battage de couilles est exceptionnel. Voilà, donc vous voyez, ça, c'est voilà, les gens hein, qui se prennent toujours en photo, qui prennent la pose donc, avec la pyramide. Hein. Ouais, c'est voilà, ça. Donc, ça, on c'est... peut avoir dans cette zone qu'on peut attraper un Aspico, un Rookool et un Osferapti. Il y a juste Aspico que je n'ai pas, tous les autres, je les ai. Bon, on va aller chercher l'Aspico. Bah, je t'invite déjà à aller tout droit. Et il y a encore, t'as vu? En fait, les monuments, c'est tous des arènes. Et dans cette arène-là, il n'y a pas de Pokémon, apparemment. Ah, si, il y a un Roucarnage. Et non, c'est un Roucoups. Il y a un Roucoups. Donc, si on évolue level 5, je poserai mon petit Roucarnage ici. D'accord. Mais en fait, c'est super worse parce que quand tes parents
où ta copine te force à faire un musée un petit peu chiant, en fait, pour toi, c'est nickel parce que tu farmes. Tu vas poser ton petit Pokémon. Tu farmes tes petits Pokéballs, quoi. Ta batterie. Ouais, c'est quand même assez nickel. Donc là, on voit, on s'approche bien de la grande pyramide. J'espère qu'on la voit bien. Avec sa petite sœur juste devant. Voilà. Voilà. On voit tous les touristes. Ouais, c'est sympa même pour se poser l'été. Voilà. Il y a un petit peu de. Oui, on a grave envie de sauter dans l'eau. On transpire un petit peu. C'est... Ouais, on va ça. Ça nous, on vomit un peu. Attention, on a trouvé quelque chose. Encore trop loin. On avance encore un petit peu. On va un petit peu. Bon, vous, comment ça se passe sur le plateau? Vous vous amusez bien? Écoute, on apprend plein de choses sur Pokémon puisqu'Ellie nous a proposé un dossier où elle nous explique absolument tout. Du coup, on comprend bien tout ce que vous faites. C'est parfait. C'est formidable. Ah, je peux récupérer la statue du loup. On peut récupérer la statue du loup. Ah, un petit œuf. J'ai eu un petit œuf. Je sais pas encore ce qu'il y a dedans. Apparemment, il faut marcher 5 km avec pour. 5 km. Et je suis toujours 5 km. Pas level 5. Wow. Alors, on fera pas les 5 km. Attention, ma barre est remplie, mais je suis toujours pas level 5. Il n'y a pas quelque chose à faire de spécial pour là, passer. Là, il y a encore quelque chose en face. Allez, on va aller voir ce que c'est. Ah, moi, j'ai mis un de 5. Les gars, ça demande. Les gars. Monsieur, il a tout passé par le. Dès qu'il y a des casquettes, on demande. C'est peut-être des dresseurs Pokémon. Les gars. Casquette à l'envers. Et si je me fais casser? Qu'est-ce que tu me racontes, Max? Est-ce que vous pouvez courir? Oui. Max demande est-ce qu'on court? Non, mais on va pas courir 5 km, faut pas craquer non plus. Tu vois? En mode carte trésor, mec. J'ai gagné 50 XP. 50 XP, attention. Oh, regarde, il me manque combien d'XP? J'ai 3980 sur 4000. Il nous manque 20 XP. Il nous manque 20 XP. Capture un Pokémon. Allez. Capture un truc. Allez, go. Ça donne 100 XP. Bah, on y va. Vas-y, viens, cours. Vas-y, cours, on y va. C'est parti. C'était qu'à Express, le truc. On y va. Oh là là. Messieurs. Faut savoir que j'ai plus couru depuis novembre. Et du coup, je suis un petit peu fatigué. Voilà, puis en jean, c'est pas très pratique. Voilà, Valous, il découvre un peu la pyramide du Louvre. C'est merveilleux. On vous invite à le faire, à y aller. Évidemment, ça vaut le coup une fois dans cette ville. Oui, bien sûr. De se poser, c'est beau. C'est bien joli, les fontaines. Donc cette pyramide est une reproduction exacte de la pyramide de Khéops. Oui, évidemment. Oui, au moins. C'est bon, je peux la voir. Alors attention, là maintenant, on en a un là. Alors qu'est-ce que et tu veux? C'est le lourd. C'est le lourd. Donc on peut avoir peut-être un truc rare. Thomas! Eh bien non, ce n'est que des Pokéballs, je suis déçu! Thomas, tu m'entends? Je suis déçu parce que. Thomas! On ne sait pas combien pour aller au loup, il va y avoir des Pokéballs, c'est ce qu'on trouve pour prendre notre rue. Donc c'est merci pas worth. Mais je suis level 5! Ah, on est passé level 5! Level 5! On peut faire une arène! Thomas! Je vais cliquer sur l'arène pour voir comment ça se passe, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce qu'on n'irait pas la faire à l'ombre, histoire qu'on voit bien ce qui se passe genre là-bas? Attends, allez, on court, nous on est fous, on s'arrête jamais! Voilà! Ils sont grave chauds, genre. Putain, les cons! Il est trop content! Il est arrivé! Il a dit quoi? Alors! Putain, les cons! J'ai un message me disant du professeur Saul, puisque le professeur s'appelle professeur Saul. Bravo, on dirait que tu as attrapé beaucoup de Pokémon et gagné plein d'expérience de dresseur. Excellent travail! On dirait que tu es prêt à participer à des combats Pokémon. J'ai 3 excellents assistants. Chacun est le capitaine d'une équipe, mais chacun utilise une méthode différente pour étudier les Pokémon. Une partie de ces études consiste à effectuer des combats Pokémon dans des arènes. Ils sont tous enthousiastes à l'idée de t'avoir dans leur équipe. Et là, il doit choisir. Salut, je m'appelle Spark, je suis capitaine de l'équipe Intuition. Les Pokémon ont une excellente intuition. Je pense que c'est ce qui est lié à leur façon d'éclore. Viens vite rejoindre mon équipe. Tu ne perdras pas si tu... J'ai pas lu. C'est long, c'est très long. Je m'appelle Blanche. Là, c'est la meuf Sagesse. Ok, il y a Intuition, Sagesse. Ok, ça c'est l'analyse. Et ça c'est la bravoure. Bon, je sais pas pourquoi il me parle de ça. On va voir. Donc je vais leur choisir. C'est un mec. Alors nous, on va aller à l'intuition directement. L'intuition, parce qu'on est comme ça. Wow. On perd pas tant de classe. C'est Élector apparemment. Et puis. Donc là on va se battre contre Élector. Non. Cette arène est trop loin. Merde. On dirait courir. Elle est où l'arène? Elle est juste là. Bon ben on y va. Allez, on y retourne. Il va en courant, il est trop chaud. C'est trop bon, mec. Voilà, donc évidemment les meilleurs lives, faites des sons, abonnez-vous pour plus de lives dans ce genre. On en veut plus, même ça, il y a merci un truc qui a explosé sous nos pieds. Merci pour tous les abonnements, on les voit pas nous actuellement parce qu'on a le retour du live, mais merci beaucoup à tous ceux qui font des dons et des abos, c'est super cool. Alors, c'est ce qui nous permet de faire ce genre de truc complètement what the fuck. Donc je clique dessus, Roucoups PC, je sais pas c'est quoi.
Ah, je vais devoir appeler mon roux carnage. Il va se faire défoncer s'il met un 142 contre un 210. Je sais pas du tout c'est quoi. Roux carnage, qui est juste là. Roux carnage. Go. Ouais. Donc là c'est un combat quoi. C'est pas juste c'est un combat. C'est pas comme ça. C'est les carnage et PC 142 contre un roux coups 210. Ok, je vais se passer. C'est le premier combat. C'est quoi ça? Il me défonce. Non, je veux pas abandonner, Il me défonce la gueule. Ah, je dois me battre avec mes doigts. Il m'a défoncé la gueule. Il m'a arraché, mais comment on se bat? Je l'ai esquivé. Attaque. Tape-le lui. Comment j'attaque? Attaque le mec, tape le Pokémon en face. Faut que tu tapes le Pokémon en face. Parce qu'il essaie de défoncer toute mon équipe. Je pense, non? C'est quoi ce délire? Je me fais allumer. Si, là, quand tu l'as tapé, regarde, quand tu l'as tapé. Ah oui, j'ai enlevé de la vie. D'accord, et c'est pour ça, faut esquiver. Vas-y, pète-le, tu vas pas te faire péter par un pignon. Mais moi aussi, j'ai pas de pignon, là. Et on peut défoncer, Allez, défonce, défonce. Il va faire tous ses Pokémon. Balouz, vas-y, Balouz. Il est presque mort, Allez, un terrible nouveau. Alors j'ai pas beaucoup compris le principe de combat. Apparemment il faut taper dessus. Tu peux aller de droite à gauche pour essayer d'esquiver ses attaques. J'ai pas bien compris. Bon après là j'ai lancé direct sans lire exactement ce qu'il faut faire. Mais ok, bon bah j'ai perdu. Je sais pas ce qu'ils sont devenus mes Pokémon. Ces Pokémon sont morts. Bon. Ok, ils ont en fait plus de vie. Mes Pokémon ont plus de vie. Et le truc c'est que je dois les recharger. Je dois aller recharger pour récupérer de la vie. Ok, ça va. Okay. Les gars, on se retrouve au dernier endroit. On se retrouve au dernier point de rendez-vous. Foncez, ouais. Courez vite. Hey, et ça va être douloureux. On y va, on y court. Allez, on court, on court. Jusqu'à que ça raccroche, on court. Moi, je marche. Allez, il pille. Il est fatigué là. C'est absolument merveilleux. Et voilà la dernière étape avec Thomas, la grande roue, qui est juste derrière nous. Et Thomas qui est juste là. Dernière étape pour voir si... dans les cieux, nous pouvons attraper un Logia ou peut-être un Ho-Oh ou peut-être un Magikarp. C'est là qu'on va voir si le jeu est bien fait ou pas. Première fois que je vais rentrer, que je vais monter dans la grande roue, plutôt hype. Et nous y voici. Bienvenue à la grande roue de Paris. Voir ce que ça donne. Hein. C'est payé par le boulot, du coup autant en profiter un maximum. C'est clair, ouais. Et voilà, c'est parti, on démarre. On aura fait une bonne balade aujourd'hui quand même. T'as le vertige? Non, j'ai pas le vertige, moi. Ça va alors, si t'as pas le vertige. Moi je sais pas, je te le dirai à la fin, de ça. Bon après, ça fait pas très peur, je suis un adepte de manège à sensation. Alors voilà, et attends, on a le fil. Salut, est-ce que vous les amis? Voilà, donc là on est plutôt posé. Voilà, on a quand même le meilleur travail. Je tenais à signaler que sur le jeu. Ils sont dans la grande roue. J'ai entendu que vous êtes tous là. Deux petits trucs. Là, je sais pas où on est encore. On est tranquillement. Là, on est assis dans un siège. Place de la Concorde. Voilà, on va regarder un peu. Ah, mais regarde ce qu'on voit. Un petit roux cool. Un petit roux cool qu'on peut capturer. C'est énorme, mec. Au-dessus de Paris, hein. C'est pas beau la vie. Attendez, essayez de capturer, me concentrer. Je suis complètement full death. Concentre-toi. Nice. Après, voilà, on capture le roux cool. Et je voulais dire juste, est-ce que tu peux passer en facecam? Que j'ai découvert autant de petits tips, les Pokémon peuvent s'évader, enfin s'enfuir de la Pokéball. Oui. J'ai capturé un Rattata sur la route qui s'enfuit deux fois, j'ai quand même réussi à récupérer. Et aussi dans les Pokéstop, maintenant que je suis level 5, je peux récupérer de l'élixir qui va réanimer mes Pokémon pour combattre à nouveau et des potions. Voilà, pas besoin de payer, en fait. Pendant ce petit... Donc là on attend un petit peu et... Je crois que ça rebouge là où on est là un petit peu. Là, oui, c'est vrai que ça bouge. Là, ça bouge. Alors, où est-ce qu'on se trouve? Vous avez l'air vachement. Bah là, voilà, on est place de la Concorde. Ce serait pas Paris, le ciel, les amis. Ce serait pas Paris. Vas-y. Je vais me lever pour vous dans Paris. Merci. On va la trouver faite juste là-bas. Attends, je me déplace. C'est tout à fait magnifique. Je vais taper ma blogueuse hein, parce que là, il faut quand même que j'en profite. On fait pas ça tous les jours. Bon, les gars, donc là on est où hein. Je sais pas si vous voyez. En live. Voilà, on est en live. On est devant combien de personnes? Les gars. Là, je sais pas combien, on est devant combien de personnes là. Vous m'entendez? Ouais. Le live cartonne hein. Il y a c'est on est à combien? 2500. On est à 2500 viewers là. 2500 viewers. Je tenais à féliciter les 2500 viewers. Je suis dans le ciel de Paris.
pour les 2500 viewers et en live. Ça bouge. Oh, il est là avec sa blogueuse. Ça bouge, assis-toi, mec. Ça bouge. Ça tangue un petit peu, hein. Voilà, on vous montre un petit peu. On vous montre un petit peu ça. Est-ce qu'il y a des roucoules là ou pas? 500 euros la place, on est deux personnes. 500 euros, hein, ça va. C'est quoi 100 euros? C'est deux dons, hein. On redescend, hein. On est en train de redescendre gentiment. C'est rapide, hein. C'est assez rapide, hein. 100 euros, franchement. 100 euros, c'est 5 minutes de bonheur. Voilà, là, on est en train de redescendre. Pour voir l'obélisque de la place de la Concorde. Au fond, évidemment, un arc de triomphe et la défense derrière. Tu fais la visite de Paris. Bien sûr, mec. Là, sur la droite, la Madeleine. Là-bas. Non, mais regarde plus. Ils sont mettre les coups. Là-bas, le musée du Louvre, hein, d'où on vient, hein, tout à l'heure. T'as bien, tu regardes ce qu'il y a là-bas. Ouais, ouais, non, mais il y a un parc d'attractions. Il y a des attractions de folie dans le parc, voilà, et là ça y est, on est redescendu. Et bien retour. Thomas, est-ce que tu m'entends, Thomas? Non, on fait encore un tour, putain, on fait encore un tour. Comptabilisé, mec, ça ne s'arrête jamais. Par contre, si c'est comme ça pendant 30 minutes, ça va être un petit peu. C'est voilà, c'est un peu. Thomas, est-ce qu'il y a des Pokémon dans le. C'était une folle expérience. Et honnêtement, c'est le meilleur live que j'ai vu. Oh putain, le téléphone de Kenny. T'imagines, tu rigoles, mais tu le vois. Le téléphone de Kenny. Kenny, ne t'inquiète pas, ton téléphone va bien, je l'ai juste allumé une seule fois. Voilà, on est tombé en scout avec, il nous a servi de protection, mais tout va bien, ça se passe bien. Merci les gars. Alors vas-y, attends, on va vous remontrer un peu la vue parce qu'il faut quand même en profiter un petit peu. Et aussi, je voulais juste lâcher un petit Kenny, t'es beau garçon. Kenny, beau garçon quand même. T'es extrêmement beau garçon quand même, hein. Je viens de le signaler, là on a un gros plan sur toi. Waouh! Je veux une pluie de Kenny, beau garçon, dans le chat. Non! Allez-y. Je veux une pluie! Kenny de le Dieu! On observe un peu la tour Eiffel. Voilà. C'est magnifique, les gars, merci à vous! Les Pokémon, par contre! On kiffe bien! Alors voilà, on a des Pokémon à prendre là! Ah oui, merde! Ah, j'ai mon téléphone! Oh, mon Pokémon! Alors, est-ce qu'il y a des Pokémon dans les airs? Je suis level 5 à la moitié. Et non, il n'y a pas de Pokémon en fait. Il n'y a pas de Pokémon dans les airs. Il n'y a pas de Pokémon dans les airs, donc ça ne sert à rien de prendre l'avion pour essayer de choper les Pokémon. Quoique, j'ai dit des bêtises, il y a un Rattata et un Roucoups juste là. Il est trop saucé. On va essayer de choper Roucoups, donc est-ce qu'il sera dans le ciel? Non, il est dans notre cabine. Hop. Il est dans la cabine, ce salaud. Je l'ai raté. Voilà, joli. Formidable. Le premier coup. Donc il est juste devant nous, hein. Il est sur le siège. Et c'est attrapé, mesdames, messieurs. Oui, c'est un jeu facile quand même. C'est un jeu de collection avant tout. Voilà, on a Roucoups et il y a un Rattata aussi. Je vais choper, puisque oui, même si vous avez le Pokémon, je vous conseille de le capturer. Ça donne beaucoup d'XP et ça donne des points d'expérience pour évoluer votre Pokémon. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un Rattata, vous voulez le faire évoluer en Rattata, soit vous avez de la chance, vous capturez direct, vous rencontrez directement un Rattata, ou sinon. Il va falloir en capturer plusieurs de Rattata pour accumuler des points et le faire évoluer. Valouz, est-ce que tu vas nous faire une chaîne spéciale Pokémon tel David Lafarge? Est-ce que tu vas nous créer une chaîne Pokémon type David Lafarge? Oui, Valento Lofourge. Valento Lofourge. Valento Lofourge. Dresseur de Pokémon. T'imagines une chaîne dresseur, Pokémon Go. Dresseur de Pokémon. En vrai, on aura quand même testé tous les aspects de Pokémon Go en scooter, dans les grands monuments, en hauteur, dans les locaux d'Eclipsia, en sous-sol. On aura tout testé. Et le meilleur, ça reste quand même en voiture et en scooter. Honnêtement, je vais pas vous le cacher. Par contre, on est bloqué depuis pas mal de temps là dans les arbres. J'aimerais bien qu'on redescende. Allez, salut les mecs. Allez, salut. Hein, voilà, on voit. Ah si, ça y est, ça tourne. Ça y est, on descend. Ah, ils sont terribles. Mais on descend. Astuce pour avoir tous les Pokémon sur Pokémon Go. Il suffit d'être à l'arrière d'un scooter, accompagné d'un bon guide. Et puis simplement de lancer le jeu et d'attraper tout ce qui bouge. Hein. Attraper les tous Pokémon. Et aussi de choper tous les Pokéstop au coin des rues. Voilà, hop, on chope ça. Et vous avez juste à cliquer dessus et faire la petite croix. Et ça récupère instantanément, pas même, du tout. Même la petite balade en vélo, elle est worse en vrai. Voilà, vous faites tourner la truc, hop, et là vous n'avez pas besoin de cocher dessus, vous tapez simplement sur la petite flèche, la petite croix, et vous récupérez toutes les Pokéballs, les élixirs, les potions et tout ce qui s'en suit, les amis, voilà.
Regardez le nom du kebab juste là-bas. Le voilà. McDonner. C'est un mélange entre le McDonald's et le kebab. Donc le Donner. Hein. Le Donner en turc, hein, évidemment.